Eh ben, what's up les amis, on se retrouve pour la deuxième partie du compte-rendu des soldes d'hiver 2015. Donc on commence tout de suite, j'ai pu acheter que des jeux, parce que le DVD j'en avais acheté trop, donc j'économisais un peu mon argent. On commence tout de suite par Transformers La Revanche. Donc je l'ai testé. Bon, il est bien, hein. Enfin, les décors sont bien faits, mais ce qui est pas très bien, c'est que les maps, il y a des limites. Enfin, Bubba, elle est partout, en fait. Mais il est bien. Voilà. Après, Spider-Man 3. Celui-là, il est bien, mais les graphiques, c'est pas très beau, hein. Franchement, et je l'ai acheté 4,99€. Et l'autre, je l'ai acheté, je sais plus, 14, je crois, 14€. Après, Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde. Celui-là est très bien, les graphismes sont beaux et j'aime bien le style comme ça. Et j'ai acheté pour 9,99€. Après, Virtual Tennis 2009 pour 99 centimes. C'est mon jeu préféré de tennis, donc j'adore tout ce qui est jeu de tennis. Donc j'ai acheté, il est bien. Un autre jeu de tennis, Smash Court Tennis 3. Donc il est bien et voilà. Lui je l'ai acheté pour 2,99€ à Happy Cash. Tout ce que j'ai là c'est à Happy Cash. Et une édition limitée avec un steelbook et un artbook. Donc c'est Dragon Ball Z Rising Blast Limited Edition pour 14,99€. Bon ben merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo et à taper un petit commentaire. Merci, au revoir.